Guys, let's start this. Thank you so much for coming tonight. My name is Nir. I'm one of the guys helping run Glocos. I'm just going to take 2 minutes of your time to tell you why the seminar, and then share with you the results. I sent you a survey to understand who's in the room, a little bit of the audience profile. I'll share with you who's in the room tonight. There's no big surprises there. And then I sit down, and we hear the man that we came here to hear. So how was this born? You know, on Glocos, we have a forum where people can post different things. And on Feb 9th, someone posted this little thing saying there was this vote, and probably the Swiss are going to limit the immigration. What do you think about it? Now, an average post on our forums gets about 200 views and about 10 comments. But this one, I don't know if you can see from there. This is the average views, the average number of people who view one of the topics on our forums. Usually it's 200. On this one, it was 11,000. The number of people who post comments usually is about 10. On this one, it was 400. So we realized, wow, this topic is really, really hot. People really want to know what's going on here. And then we started looking at the comments that people are posting. Of course, I chose the three most understandable ones. But you know what? It really showed. It really showed us. I'm not trying to be funny. I put this on the board. These are actual comments. And I put this on the board because we realized there is so much confusion over what this means. Some people really thought that, you know what, this is all about getting the expats out of there. I was in the office on the day of the vote, after the vote, and I heard two people talking and saying to each other, you know what, I don't understand these Swiss people. Why do they want us out? Without us, there's not going to be a UN. There was so much confusion in comments like this. And we said, okay, one of our missions is Glocos, is to make life easier for expats over here and explain what's going on. So it would be a great idea to explain this. And we thought it was the right person, and I think we got really one of the best people we could ever imagine. And I'll talk about that in a second. But that's really the background to why we did this seminar. One more thing I want to talk about is who's in the room. We sent you guys a feedback survey, who's in the room. I think out of 160 people, around 80 or 90 actually filled the survey. So it's pretty representative. And you see in question number one, we asked, what do you know about this issue? Do you know it well? Do you know it not well? The majority of people said, I either don't know it too well, or I know it so-so. Only about 20 people in this room said, I think I know it well. So it's the right audience to talk to. Question number two, we asked, are you Swiss or expat? 80% in the room are expat. No surprises. Most people are here between 3 to 10 years. Most people here work for the private sector. Most people here are lucky. That's this is interesting because I think if you look at the total population, it's probably the opposite split. As you move up in salary, there's less people. But here, as you move up in salary, the percentage is growing. And the age range, 30 to 40, most of us. The last thing we ask, and with this I'm going to stop and let the speaker go, is give us any general comments. And this is an actual screenshot of the comments. There were other comments, but this is really a representation of a lot of the comments that came up. Great to have Mr. Modet speaking about this important topic. Appreciate it. Merci, Monsieur Modet. And I want to follow up that and really say big, big thank you to Monsieur Modet for agreeing to do this for us. And Monsieur Modet is a senior politician here, currently the Minister in Geneva of Economy and Security, and the right man to explain to us what's happening. So Monsieur Modet, thank you very, very much for your time. Merci, bonsoir à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Je ne sais pas si je vais pouvoir convaincre de certitude et que vous sortirez d'ici avec des réponses à toutes vos questions. Mais je suis d'abord venu ce soir pour vous délivrer un certain nombre de messages. Plutôt que des certitudes, vous donner un certain nombre de convictions de la part du gouvernement genevois. Et puis surtout, je suis venu pour vous écouter, pour prendre la température. J'ai été sensible aussi depuis le 9 février aux réactions ici d'entreprises, là de particuliers, qui sur toute une série
de sujets en lien avec l'immigration ont des questions légitimes. Donc j'aimerais ce soir, dans un premier temps, pouvoir vous donner une série d'informations, une série d'indications, de perceptions, et puis ensuite vous écouter, échanger avec vous, et pouvoir, dans la mesure du possible, vous répondre. Dans ce qui va ressembler, dans un premier temps, à une formation accélérée en matière d'éducation civique, puisque pour beaucoup de gens, dont certains, je pense, dans la salle, il y a une certaine découverte du système politique suisse et de ses impacts. Et oui, on a des initiatives, et oui, parfois, les gens votent oui. Et oui, ça peut avoir aussi des effets, reste à savoir lesquels. Et puis, dans ce qui va ressembler aussi à un exercice très politique, parce que je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer exactement dans 3 ans, mais je peux vous dire en tout cas pourquoi on va se battre. Et qu'est-ce qu'on va essayer ensemble? Et c'est ça qui est intéressant dans la politique, c'est que depuis le 9 février, vous êtes encore plus des parties prenantes de la vie politique maintenant genevoise et suisse. Comment est-ce qu'ensemble, on va peut-être pouvoir construire quelque chose, non seulement pour se rassurer, mais pour poursuivre sur la voie du succès qu'a connu Genève ces dernières années. Quel est le contexte général et que signifie le vote du 9 février? Et là, il ne faut pas se tromper. Le vote du 9 février... c'est la décision par une majorité de la population suisse, non pas de limiter l'immigration de masse, même si le titre de l'initiative c'est de lutter contre l'immigration de masse, mais c'est de se prononcer pour un changement de système dans la politique d'immigration. Et je vous pose à tous une question, si vous êtes ressortissants d'autres pays, notamment de pays européens, si cette initiative avait eu lieu dans votre pays d'origine, dans le contexte actuel, socio-économique, que croiriez-vous qui se serait produit? La même chose. Sans doute la même chose. Je ne peux pas le jurer partout, mais sans doute la même chose, parce que ce qu'on a en Suisse, qui est une forme de soupape, dans la cocotte minute populaire, on ne l'a pas forcément dans les autres pays, mais c'est l'expression d'une vraie préoccupation sur l'évolution de la situation migratoire, sur le fait que l'on voyage beaucoup plus facilement, que l'on a des pressions du dumping parfois qui se concrétisent, que la situation socio-économique incite des gens, parfois avec leur famille, à migrer, et que cette impression de perte de frontière, avec ce que la frontière offre comme sentiment de sécurité, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup. Je pense, et avec moi beaucoup d'hommes et de femmes politiques suisses, que le 9 février, avant de voter contre l'immigration de masse, on a surtout voté pour un changement, reste à savoir lequel, de la politique suisse d'immigration. Il y a l'idée qui nous rassure, ou qui rassure en tout cas une majorité de la population, qu'en limitant par des plafonds et des contingents annuels, on va retrouver la maîtrise sur quelque chose qu'on a perdu. Il y a l'idée aussi que le Conseil fédéral a engagé les travaux pour mettre en œuvre la décision du peuple, qui est une idée importante. Et puis enfin, et ça c'est important de le dire, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'exécution, parce que là c'est un principe qui a été voté, après il y a une loi d'exécution qui doit entrer en vigueur, la libre circulation des personnes, comme on la connaît aujourd'hui, va continuer. Donc on entre dans une période d'incertitude pour le futur, mais quand même la continuation d'une situation pour les quelques années qui viennent. Quelles sont les prochaines étapes? Et j'essaye d'être là très factuel en vous disant comment est-ce qu'aujourd'hui on sait répondre sur un certain nombre de choses, quelles sont les limites de ce que l'on sait. D'abord, le Conseil fédéral a 3 ans pour proposer un texte de mise en œuvre. Et pendant 3 ans, on n'est pas dans le vide intersidéral, on est dans la continuation de ce qu'on a connu jusque-là. Ça veut dire qu'on a 3 ans pour réfléchir, imaginer, notamment avec les cantons, mais aussi d'abord avec nos voisins, qui ont pris de façon assez négative, vous l'avez vu, cette décision, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces principes. On doit identifier les pistes acceptables pour la Suisse, qui ne mettent pas en danger les accords bilatéraux. La Suisse n'a pas dit non, les Suisses n'ont pas dit non aux accords bilatéraux. Alors, c'est une des conséquences potentielles, mais à ce stade, ce n'était pas un vote sur les accords bilatéraux. Et de ce point de vue-là, on doit essayer de travailler à garder une compatibilité entre le principe voté dans cette initiative et ce que l'on connaît maintenant depuis plus de 10 ans, à savoir des accords de libre circulation des personnes. J'admets volontiers que c'est difficile d'envisager un système de contingent qui par définition pose des limites et d'une certaine façon des discriminations puisqu'on parle de priorité aux résidents avec l'accord de libre circulation des personnes. Mais le pari que fait la classe politique suisse aujourd'hui, à ce jour, quelques semaines après le vote, c'est de dire qu'on peut travailler quand même sur des solutions compatibles. Ce délai de 3 ans, il doit nous permettre de renégocier les traités qui seraient incompatibles avec les nouvelles dispositions, ce que je viens d'évoquer sur la libre circulation des personnes. Et puis, les accords en vigueur, et c'est important de le rappeler, ils continuent de déployer leurs effets
jusqu'à ce qu'un nouveau droit soit présenté et voté par le Parlement, lequel donnera peut-être l'occasion d'un référendum, parce que vous le savez, en Suisse, on va au moins 4 fois par an aux urnes, et chaque fois qu'on a une loi votée par le Parlement, celle-ci peut être remise en cause et décidée d'être invalidée par le peuple. Donc on n'est peut-être pas au bout des votations sur ces questions d'immigration. Dans cette situation, comme vous le savez, la Suisse est composée de 26 cantons et demi-cantons. Mais les cantons, ils ont des intérêts différents. Et à Genève, vous l'avez sans doute appris, la population a largement refusé cette initiative, à plus de 60%. Et le canton, très rapidement, le dimanche même, a dit « Attention, pour notre canton, qui est prospère depuis de nombreuses années, cette votation pose une série de problèmes. Nous devons faire entendre notre voix, la voix genevoise. » Parce que Genève est un canton particulier, c'est 100 km de frontière avec la France. Et vrai, nos premières pensées, lorsqu'on a analysé le vote, c'était pas tellement une réaction négative par rapport aux expatriés, mais plutôt par rapport aux frontaliers. Vous savez qu'on a la problématique spécifique des frontaliers, des personnes qui chaque jour rentrent sur le canton pour travailler ici à Genève. Moi, comme ministre de l'économie, je dois faire avec une situation genevoise où on a environ 300 000 emplois à Genève, mais 240 000 personnes en âge de travailler active. Ça veut dire que chaque jour, il faut qu'il y ait au minimum 60 000 personnes qui rentrent sur le canton de Genève, depuis le canton de Vaud, depuis la France voisine, pour que l'économie fonctionne. C'est très particulier quand même comme situation. Et avec 15 000 chômeurs environ, si d'aventure les chômeurs correspondaient exactement au profil disponible sur le marché, il faudrait encore 45 000 personnes pour faire tourner la machine économique genevoise. Donc la spécificité de Genève, c'est d'abord cette situation des frontaliers. Pas tellement celle des expats, mais d'abord celle des frontaliers et de tous les débats politiques qu'il y a eu ces dernières années là-dessus. Et puis ensuite, c'est cette économie particulière qui ne fonctionnerait pas si on n'avait pas cet apport d'étrangers. Ce qui me permet de dire que, en tout cas à Genève, je ne perçois pas le vote, encore plus le résultat, comme un vote de rejet xénophobe, un vote à l'opposé de l'immigration rendue nécessaire pour faire fonctionner l'économie. Dans ce contexte, le canton, il dit quoi? Il dit, un, il faut garder son sang-froid. Pas de panique, on a un peu de temps devant nous, on a une capacité de s'adapter qui est forte, et on a fait la démonstration, en tout cas ces 10 dernières années, qu'on avait une capacité de trouver des solutions intelligentes au niveau de l'économie. Deuxièmement, il faut définir toutes les options possibles. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a plusieurs pistes sur lesquelles on peut travailler, notamment, j'en évoque une, celle de définir des contingents, puisque c'est ça le principe, on définit des contingents, des plafonds, pour les frontaliers, catégorie particulière qui concerne certains cantons, le Tessin, Genève, Vaud, Bâle, les cantons frontaliers, et puis des contingents spécifiques pour d'autres catégories d'étrangers, au nombre desquels, évidemment, celles des Européens et des extra-Européens. Il faut défendre les intérêts du canton auprès de Berne, et là vous avez peut-être perçu un message très fort, alors c'est de la politique interne, mais je me permets de le citer ici, Genève fait partie des quelques cantons qui, dans le cadre de ce qu'on appelle la péréquation, c'est-à-dire l'équilibre, le fait d'équilibrer au niveau des finances fédérales le ménage commun, Genève est un canton riche qui chaque année donne de l'argent aux autres cantons, entre guillemets pauvres, ou ceux qui reçoivent. Et ça nous met dans une situation potentiellement plus favorable s'il faut négocier au niveau de Berne la façon dont on va organiser ces contingents. Le quatrième aspect, c'est d'analyser, parce que ce n'est pas négligeable, les réactions de l'Union européenne. Vous avez compris aussi que dans les premiers jours qui ont suivi le 9 février, évidemment, nos voisins européens n'étaient pas très contents. Ils n'étaient surtout pas très contents, et ça c'est mon opinion personnelle, parce que ce vote, s'il s'était produit dans leurs frontières à eux, aurait connu sans doute même un soutien plus fort de la part de la population. Et en gros, on a un peu désinhibé les extrêmes droites de tous les pays européens qui nous entourent, ce qui n'est pas quelque chose de très agréable en politique intérieure, surtout quand on est à quelques semaines des élections européennes, ou comme en France, à quelques semaines des élections municipales. Mais on doit en tenir compte, les chancelleries, les ministères des Affaires étrangères des pays qui nous entourent ont évidemment assez mal pris la chose, mais je le répète, davantage pour des motifs de politique intérieure que parce qu'ils étaient heurtés quant à la rupture éventuelle des accords bilatéraux. Et là, on doit en tenir compte, vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous avons eu ce week-end des élections en France, les élections municipales, où vous avez vu également les résultats, donc ça fait partie d'un contexte européen, et ça montre que la Suisse, par les signaux qu'elle donne, comme elle avait donné à l'époque le signal sur les minarets, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette votation, qui était aussi une votation très disputée,
très particulière parce qu'on n'a pas vraiment un problème de construction de minarets en Suisse, enfin on n'a pas des tonnes et des tonnes de projets de minarets, mais c'est les vertus et la difficulté de la démocratie suisse. On peut poser n'importe quelle question au peuple, et cette question-là, elle reflétait une crispation à l'époque, et le fait que le peuple ait accepté de mettre dans sa constitution l'interdiction des minarets a déjà généré à l'époque des réactions très vives et très violentes, avec des oppositions entre les extrêmes droites et les partis plus traditionnels dans les pays qui nous entourent. Dans ce contexte, donc, le canton doit faire entendre sa voix. C'est là-dessus qu'on travaille avec le gouvernement cantonal. Que dit exactement le nouvel article constitutionnel ? Il dit « La Suisse gère l'immigration de manière autonome en introduisant le concept de contingent, donc de limite. » Et ça, je crois que toute personne dans cette salle qui a bien les pieds sur terre se rendra compte qu'aujourd'hui, dans un monde qui bouge à une vitesse grand V, l'idée de la limite, l'idée de la frontière, l'idée de la maîtrise parce qu'on pose un jalon, c'est quelque chose qui plaît à la population. Ça explique beaucoup de cette initiative. Mais il ne faut pas aller au-delà. Le principe du contingent, c'est ça. C'est se rassurer sur la capacité de maîtriser. Maintenant, je ne vais pas refaire le débat, mais ce que mon fils de 7 ans avait compris lorsqu'on a entendu la campagne, c'est que quand on pose une limite, eh bien, il y a une incitation naturelle à atteindre la limite. Et de nombreux entrepreneurs m'ont dit ces dernières semaines, qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochains mois pour être sûr d'avoir suffisamment de contingent? On va engager un maximum, comme ça on garde des places et on est sûr d'être dedans. C'est ce qu'on avait décrit dans la campagne, c'est-à-dire des effets pervers des contingents que les initiants n'ont pas tenu compte. Et donc, il y a cette notion de limite, et ça, c'est quelque chose de très fort qu'on va devoir respecter. Alors après, comment on fixe la limite? En vertu de quel principe? À quel niveau? Ça va être tout l'enjeu du débat, mais c'est pour vous montrer que si le canton travaille bien, si l'on a des bons arguments, on devrait être capable de se donner les moyens de limites qui soient raisonnables, mais raisonnables dans le sens de la prospérité économique. Et puis l'article voté, il dit que les traités internationaux contraires à cet article constitutionnel sont renégociés et adaptés dans les 3 ans. Et c'est vrai que là, il y a un certain flou sur ce que ça touche exactement. Ce que cet article ne dit pas, et c'est important de le souligner, parce qu'il ne faut pas surinterpréter ou aller au-delà de ce que le peuple a voulu, c'est la dénonciation des bilatérales ou des accords bilatéraux. Le peuple suisse n'a pas dit non aux accords bilatéraux. Et c'est une interprétation que de le soutenir. Alors, je conviens avec vous que, je vois quelques sourcils qui se dressent dans la salle, que, encore une fois, le principe des contingents et le principe de la libre circulation des personnes ne sont pas extraordinairement compatibles, et ça nécessite un peu de créativité juridique, mais on a cité ces derniers temps, par exemple, le cas du Liechtenstein, petit pays coincé entre la Suisse et l'Autriche, qui a trouvé, à la faveur de certains accords, la possibilité de rendre compatibles ces deux systèmes. Pas certain que le Liechtenstein puisse servir de pays écran pour la Suisse, mais on va en tout cas essayer de s'inspirer de cela, parce que je crois véritablement que si on avait posé la question en Suisse, est-ce que vous êtes pour revenir en arrière sur les accords bilatéraux, on n'aurait pas eu la même réponse. Alors après, on peut toujours refaire la campagne, imaginer qu'on aurait dû faire d'autres arguments, mais les Suisses sont fondamentalement attachés à une certaine stabilité juridique. Dans le cadre de cette votation, on ne leur demandait pas s'ils voulaient partir dans une nouvelle aventure européenne, on ne leur demandait pas non plus s'ils voulaient revenir en arrière sur les accords, on leur demandait s'ils voulaient poser des limites. Ça a pour conséquence ce flou que j'évoquais il y a un instant. Et puis surtout, l'initiative ne demande pas, ça c'est important de vous le dire, la diminution du nombre d'étrangers en Suisse. Ça, c'est la prochaine initiative. C'est une initiative qui s'appelle Ecopop. Alors, si je vous le dis, il y a une forme de boutade, mais c'est parce que, voilà, il n'y a pas de tabou dans les questions qu'on se pose. Si je le dis aussi, c'est parce que c'est vrai, cette initiative ne postulait pas qu'il faut diminuer. Il y avait une idée un peu sous-jacente qu'on était peut-être un peu trop, ou qu'il y avait une forme d'envahissement ou de perte de maîtrise, mais en tout cas pas qu'il faut diminuer le nombre d'étrangers, ou toute interprétation qui irait dans ce sens-là serait précisément une interprétation. Je veux d'autant plus le croire que précisément, il y a une prochaine initiative qui pose la question beaucoup plus clairement. Celle-là, on tâchera d'y répondre vraiment négativement. Et donc, ne faisons pas de faux débats là-dessus. Et surtout à Genève, où la perception, ce n'est pas qu'il y a trop d'étrangers, mais c'est qu'on a des difficultés à maîtriser ces flux. Et que tout ça a un impact, vous le voyez tous les jours, si vous êtes des utilisateurs d'automobiles, dans nos infrastructures, par exemple. C'est important de vous donner ce message, le ressenti qu'on a de la population, c'est qu'il y a eu une fuite en avant,
une prospérité extraordinaire ces 10 dernières années grâce aux accords de libre circulation des personnes, un développement des entreprises, un boom économique, mais une perte de maîtrise et une inadéquation entre les infrastructures d'une part, les routes, les infrastructures sportives et autres, et puis les logements évidemment, et puis la population qui est arrivée et qui a contribué à cette prospérité. Qui est-ce qui pilote ? Le Conseil fédéral. C'est le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, qui pilote, qui a le lead là-dessus. C'est en particulier l'Office des migrations, Madame Sommaruga, qui est notre ministre de Justice et Police, qui est la juriste en chef, pour le dire comme ça, parce que c'est d'abord un problème de nature juridique, mais qui le fait également avec le ministre de l'économie, M. Schneider-Hamann, et le ministre des Affaires étrangères, M. Burkhalter, qui lui est le président de la Confédération cette année. C'est ces trois personnes principalement, et leurs subordonnées, qui travaillent là-dessus, avec les cantons, qui sont étroitement associés aux réflexions. Les cantons, vous le savez, en Suisse, jouent un rôle très important. Et puis les milieux concernés, tels que l'économie, les employeurs, les syndicats, des experts et bien sûr les auteurs de l'initiative. Et dans ce contexte, par exemple, le groupement des entreprises multinationales joue un rôle essentiel parce qu'il doit pouvoir expliquer quelle est la problématique spécifique de ces entreprises par rapport à cette initiative. Il le fait bien, il l'a encore fait tout récemment avec des prises de position. Et là, il y a quelque chose de très suisse sur lequel j'insiste, c'est qu'avant les votations, on consulte, pendant la votation, on consulte, et après les votations, on consulte. On consulte tout le temps, c'est ce qui fait que parfois on a l'impression qu'on perd du temps, mais c'est ce qui fait aussi qu'on essaye de trouver, un peu selon le principe de l'horlogerie de précision, la mécanique fine, les meilleures solutions et les meilleurs rouages possibles. Et j'aimerais aussi ce soir vous dire la confiance qu'on a au niveau du gouvernement genevois sur la capacité, dans cette phase de consultation a posteriori, de faire entendre toutes les voix et de trouver des solutions. On a par exemple, de la part du parti qui a lancé cette initiative, l'UDC, eu des signaux très clairs, noir sur blanc, qui consistaient à dire, typiquement les frontaliers, problématiques spécifiques, les cantons qui sont frontaliers et qui ont des soucis avec les frontaliers, devraient pouvoir décider eux-mêmes des contingents de frontaliers. Mettons cette problématique à part et les cantons gèrent ça indépendamment. Voilà typiquement quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué au niveau bureaucratie, mais ça c'est l'affaire du gouvernement, mais qui va aussi nous simplifier un peu la tâche, parce que si l'on comprend tout le monde et toutes les catégories d'étrangers dans un seul type de contingent, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Quelle est l'implication immédiate ? Alors, ça, c'est un effet très concret, et qui est évidemment difficile sur un cas précis, c'est celui de la Croatie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de traité international contraire à ce qu'on vient de voter, qui peut être signé dans l'immédiat. Alors très concrètement, c'est un motif d'énervement supplémentaire qui peut compliquer les choses parce qu'il y a un calendrier qui était prévu dans les négociations et qui, dans le cas de la Croatie, on voit crispe déjà un petit peu. C'est des effets, vous l'avez peut-être vu dans la presse, par rapport aux étudiants et aux réactions qui se déploient sur les échanges universitaires. Évidemment que c'est très gênant. Enfin, on était quand même obligé de se dire que lorsqu'on vote et que parfois le vote est favorable, ça peut avoir des conséquences. Les conséquences, on les a maintenant sur des secteurs bien précis. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les 3 ans qui viennent, on va avoir de la peine à signer de nouveaux accords internationaux qui iraient à l'encontre de ce que l'on vient de voter. Alors, on doit d'abord faire un plan pour savoir comment on va mettre en œuvre, et ça c'est d'ici juin, notamment par rapport aux négociations avec l'Union européenne. Et là, comme tout traité, il y a deux parties. La Suisse n'a évidemment aucun intérêt à dénoncer son accord de libre circulation sur les personnes avec l'Union européenne, et je pense que c'est réciproque, mais se pose toute la question des aménagements. Comment est-ce qu'on peut avoir un accord de libre circulation des personnes avec ces dispositions de contingents? Est-ce qu'il y a une façon d'envisager, par exemple, des contingents qui seraient réévalués chaque année? Est-ce que le critère de la fixation de la limite, c'est les besoins de l'économie? Mais si oui, comment est-ce qu'on les définit? Est-ce que la libre circulation des personnes doit faire l'objet de catégories pour les travailleurs, respectivement pour les autres personnes? C'est toutes ces questions-là qui, d'ici juin, doivent être organisées dans le temps pour la discussion qui va suivre. Puis le texte, je le rappelle, ne demande pas de dénoncer l'accord, mais de le renégocier. Et pour négocier, il faut être deux, donc il faut commencer par discuter avec le partenaire pour savoir quel serait le périmètre de négociation et quel serait son calendrier. Et puis on devrait avoir ensuite un projet de loi d'exécution qui devrait suivre, idéalement en 2014,
Parce qu'on est conscient qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout des 3 ans sans avoir rien fait, mais il faut commencer à travailler sur des solutions, ne serait-ce que pour que les entreprises, qui sont nombreuses notamment à s'adresser à moi ces derniers temps, aient une idée de comment est-ce qu'on va traiter ces questions. Pour l'administration aussi, je suis le patron de l'Office cantonal de la population et des migrations, qui gère aujourd'hui les questions de permis, suivant le système qu'on choisit, c'est potentiellement des dizaines de personnes qu'il faut engager pour assurer un traitement rapide des demandes. Je ne vous cacherai pas qu'un des soucis qu'on a au niveau de Genève, c'est le rolling, le turnover des personnes. On voit qu'on a besoin d'un grand nombre de permis, aussi parce que c'est la souplesse de l'économie. Tout d'un coup, on a une absorption de personnel nécessaire et donc la capacité de trouver rapidement des débouchés. Quel est l'impact sur les autres accords? Ça n'a pas d'impact immédiat sur les accords bilatéraux, en tout cas pas immédiat, ni sur les accords d'association à Schengen et Dublin. Là, c'est mon côté un peu sécuritaire, c'est mon autre casquette, la casquette de patron des questions de police. Parce que, évidemment, que Schengen et Dublin, c'est des accords très importants au niveau européen pour la stabilité, la sécurité. La sécurité, elle garante de la liberté, notamment de la liberté de déplacement. Et évidemment qu'il ne faudrait pas que cette décision ait un impact sur Schengen et Dublin. Ils sont deux accords, un policier, l'autre dans le domaine de l'asile, qui nous permettent aujourd'hui de contribuer, mais aussi de recevoir en retour un espace de sécurité au niveau européen. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Puis si l'accord sur la libre circulation des personnes devait être dénoncé par une des deux parties, aujourd'hui je ne crois pas que l'Union européenne va déclencher ça, je ne vois pas quel serait son intérêt, c'est plutôt nous, la Suisse, qui tenons en nos mains les premiers éléments de réponse. Bien, dans ce cas-là, si d'aventure ça devait être le cas, les autres accords bilatéraux cesseraient de s'appliquer après 6 mois. Ça, c'est les fameuses clauses qui font que s'il y a un accord qui tombe, les autres tombent aussi. C'est important de le souligner parce que ça doit être pris en compte dans les différentes variantes. Quelques mots sur la référence nationale et les contingents. Donc là aussi, l'initiative émet un principe, celui d'une préférence nationale. Alors avec une petite différence entre le texte allemand et le texte suisse, ça c'est le charme supplémentaire de la démocratie suisse, c'est qu'on vote sur un texte qui n'est pas tout à fait le même. Le texte en allemand parle de préférence aux Suisses, et puis le texte en français parle de préférence nationale. Vous dites, où est la différence ? On parle explicitement des Suisses, dans l'autre on parle de préférence nationale. Ce qui est sûr, c'est que les initiants eux-mêmes, dont je dois quand même dire ici pour être honnête que dans les jours qui ont suivi le vote, ils étaient eux-mêmes surpris que ce soit passé. Ben oui, parce que l'initiative est souvent utilisée pour donner des impulsions et pour bousculer le débat, mais il y a peu d'initiatives sur l'ensemble de l'histoire suisse qui ont passé. Les initiants eux-mêmes ont dit oui, ça, il faut l'interpréter de telle ou telle façon. Et il y a aussi une certaine confusion de leur côté. Donc les modalités d'application doivent être clarifiées maintenant dans les travaux de mise en œuvre. Et là, plutôt que d'avoir peur de ce qui va arriver, il faut être proactif pour précisément contribuer à définir ce qu'on entend par ces contingents. Et puis, je répète, la situation actuelle ne change pas tant que la législation d'exécution n'est pas en vigueur. Donc, sans se presser pour engager à tour de bras, pour les entreprises, il n'y a pas de changement immédiat. Et puis surtout, et ça c'est très important, les nouvelles dispositions qui ont été votées ne disent pas combien. Elles ne disent pas même pas comment on fixe. Elles disent simplement qu'il doit y avoir des contingents et qu'à partir de là, évidemment, les cantons doivent défendre leurs intérêts un à un. Un mot sur les étrangers en Suisse. Donc les étrangers qui vivent en Suisse, évidemment actuellement, peuvent rester en Suisse. Principe des droits d'acquis. L'accord sur la circulation des personnes prévoit que ces droits ne peuvent pas être touchés. Cet accord, il est en vigueur. Donc, il n'y a pas de souci à avoir par rapport à la situation actuelle. Et puis, le nouveau système, quel qu'il soit, il s'appliquera évidemment qu'aux étrangers qui voulont travailler en Suisse après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions d'application. Avec, je le concède, ça fait partie des questions qui sont ouvertes pour nous aussi, la question, par exemple, du regroupement familial. Est-ce que lorsqu'on vient avec sa famille, vous comptez pour un ou vous comptez pour 4 si vous venez avec époux ou épouse et 2 enfants. Ça, typiquement, ça fait partie de ce qui doit être précisé dans le cadre des dispositions d'application. Mais pour les gens qui viendraient avant, il n'y a pas, a priori, de changement majeur. Voilà donc, dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire. Comme vous l'avez senti, j'espère, dans mon propos, il y a relativement peu, je l'avoue, et ce n'est pas très agréable pour un homme politique, de certitude.
mais il y a un certain nombre de convictions. Et la première de ces convictions, c'est qu'il y a une marge de manœuvre pour orienter la façon dont on va concrétiser cette votation. Cette marge de manœuvre, elle repose sur une interprétation politique. Il n'y a pas le refus des étrangers en Suisse. Il n'y a pas un besoin absolu de parler d'immigration de masse. Il y a d'abord un besoin de maîtrise. Il n'y a pas une volonté de diminuer le nombre d'étrangers. Et ces paramètres-là, on doit en tenir compte auprès du sentiment populaire. Et puis, il y a des possibilités, en fonction des cantons, des intérêts économiques et des besoins, pour adapter la législation, en tout cas telle qu'elle a été votée le 9 février. Et pour ça, on a besoin d'un tout petit peu de temps, de sang-froid, donc pas de panique, d'un apport de votre part. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise ces derniers jours, qui tous ont convenu que c'était important de pouvoir montrer des exemples, montrer par exemple pourquoi à Genève on aura besoin d'un nombre de contingents élevé, parce qu'il y a ce tournus très fort, mais qu'en tant que tel, ça ne génère pas forcément un nombre d'étrangers extraordinairement élevé en plus. C'est des gens qui doivent pouvoir rapidement arriver ou repartir. Et tous ces éléments-là, eh bien, on aura besoin également de votre contribution pour pouvoir les mettre en avant et construire dans ce système quelque chose de cohérent. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'étais un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais comme ça, vous avez tous les éléments qui sont posés. Et je réponds maintenant volontiers à vos questions dans le temps qui est imparti, c'est-à-dire grosso modo une demi-heure, trois quarts d'heure. Faire la question en français mieux, sinon en anglais, ça va aussi quelqu'un peut traduire. Et si je peux juste vous demander de vous présenter avant, ça m'intéresse juste de savoir qui vous êtes. Bonsoir, je m'appelle Renate, je suis allemande. Merci pour votre présentation très intéressante. Je me pose la question, dans 3 ans, je pourrais demander la nationalité suisse. Maintenant, bon, ce sont juste les 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences par rapport à la vote Alors, sur ce sujet? Merci de votre question. Je pense que ce vote va avoir un effet indirect, c'est de stimuler fortement la demande de naturalisation. Et tant mieux, moi j'y suis favorable. La Suisse est un des pays d'Europe où les conditions actuelles sont les plus strictes, j'entends par là les plus longues, puisqu'il faut 12 ans de résidence ininterrompue en Suisse. Dans certains cantons, il faut même 12 ans dans le canton. À Genève, il faut seulement les 2 dernières années dans le canton. Mais évidemment que le canton de Genève, ça je peux vous le dire, de toute façon, tout ce qu'on dit ce soir reste entre nous, il n'y a pas de médias parmi nous. Mais une des façons d'atténuer un peu la chose, c'est effectivement d'inciter à la naturalisation. Je ne vais pas avoir besoin de beaucoup le faire. Votre première question, et c'est quand même un symbole que ce soit la première, c'est que des gens pensent à cet aspect-là. On a aujourd'hui à Genève un stock, je parle bien d'un stock, de personnes très importantes qui ont toutes les conditions pour être naturalisées et qui ne l'ont pas fait. Et quand bien même ces personnes, je le répète, ne sont pas menacées par cette initiative parce qu'il y a la question des droits acquis, des gens qui sont déjà là ne vont pas être menacés par des nouveaux contingents, je sens dans cette population la volonté de se poser vraiment la question « Mais tiens, est-ce que je ne demande pas ma naturalisation ?» Welcome. Alors, ça va être un peu compliqué parce que pour l'administration, ça fait beaucoup de travail en plus et potentiellement beaucoup de demandes. Et donc ça peut rallonger les délais. J'ai donné l'instruction à mon administration de raccourcir. Aujourd'hui, c'est très long. C'est entre 3 et 4 ans parce qu'on a eu beaucoup de demandes ces dernières années. Je vais essayer cette année de garantir une naturalisation en 18 mois. C'est pour moi un objectif parce que je trouve que c'est déjà très long d'avoir 12 ans de résidence. Il faut savoir aussi qu'au niveau du Parlement fédéral, il y a des modifications qui sont en cours sur les exigences de naturalisation. On parle aujourd'hui de réduire à 8 ans le temps de résidence, mais de n'ouvrir la naturalisation qu'aux personnes qui ont un permis C. Et en plus, et ça on était contre à Genève, d'interdire la règle qui veut qu'un jeune ou un enfant qui a fait sa formation à Genève ou en Suisse voit ses années de formation compter double. Donc normalement c'est 12 ans, et un jeune qui a fait 6 ans dans les écoles genevoises ou suisses peut demander sa naturalisation. Donc il y a des règles qui vont plutôt vers un durcissement, même si on raccourcit le temps, qui sont en train d'être discutées. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement à quelles conditions on va naturaliser. Mais oui, ça va être un des effets. Et évidemment, pour le gouvernement genevois, si on diminue le nombre d'étrangers en augmentant le nombre de Suisses par la naturalisation, fatalement, sans dire que c'est une volonté, c'est un effet mécanique. Mais au-delà de ça, je suis convaincu, pour finir la réponse, je ne vais pas faire trop long dans la réponse,
Je suis pour ma part convaincu, comme ministre en charge aussi des naturalisations, que c'est un des effets, entre guillemets, positifs de cette initiative, que de rappeler que le lien, que les gens qui sont étrangers mais qui ont un lien très fort, qui considèrent Genève comme leur deuxième ou leur troisième patrie, peuvent faire cette démarche, qui est une belle démarche, de prendre le passeport qu'on peut cumuler avec d'autres passeports par ailleurs, et que le sentiment d'appartenance à Genève, surtout dans une ville qui cultive, on a quand même 45% d'étrangers, une ville qui cultive les différentes appartenances, elle peut que bénéficier de gens qui en plus prennent la nationalité suisse. Donc tant mieux si ça a cet effet-là. Et dans 3 ans, vous pourrez faire votre demande, peut-être même plus vite si la loi change et diminue le nombre d'années. Maintenant, on ne va pas non plus faire une usine à naturalisation, on est quand même rigoureux sur les critères, c'est des critères d'intégration, notamment liés à la langue, et tout ce qui va avec, vous avez tout ça sur le site internet de l'État de Genève. Mais c'est une bonne piste, merci de l'avoir évoqué, pour augmenter le contingent jeune. Je vois madame. Bonsoir, je m'appelle Isabelle, je suis polonaise. Je trouve que, je pense que vous êtes d'accord, il y avait beaucoup de rumeurs à propos de cette votation. Notamment, beaucoup de monde s'est étonné que la Suisse veut poser des limites. Mais corrigez-moi si je me trompe, il y a déjà des limites par rapport à certains pays de l'Union européenne. Notamment, oui. Mais aussi la Pologne, je pense, la Roumanie, la Bulgarie, qui ont déjà les limites. Donc pour moi, honnêtement, ce n'était pas si surprenant que ça. Mais je pense que la Suisse, Genève aussi en particulier, devra donner plus d'informations, soit en intérieur comme nous, les citoyens, les Genevois, d'adoption même, mais aussi à l'étranger. J'ai eu beaucoup d'informations en Allemagne, en Pologne, de l'information qui était complètement pas correcte, qui avait beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations qui mettaient la Suisse dans son mauvaise lumière, et, tandis que la réalité est beaucoup plus différente. Donc voilà, est-ce que vous voyez cette nécessité de marketing quelque part pour mettre la Suisse dans une vraie lumière? Oui, alors c'est ce qui rend le travail de politicien aujourd'hui plus intéressant, c'est que le défi est grand par rapport à l'image. Mais j'ai bien aimé votre question, parce que les gens en général ont la mémoire courte. Et il y a un an de cela environ, le gouvernement suisse, donc le Conseil fédéral, a décidé d'activer ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que la clause de sauvegarde? C'est une forme de contingent qui avait été prévu dans les traités par rapport aux pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, dont la Pologne, 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie, et qui permettait, quand on a fait ces traités, de se dire on va se donner un moyen de se rassurer si on a un peu l'impression d'être envahi. Donc, il y avait déjà, quand on a signé ces traités, et les gens qui les ont signés, c'est ceux qui combattaient ensuite l'initiative, hein, y compris des gens de mon parti, l'idée qu'il fallait se donner les moyens de se rassurer puis de se mettre quelques limites. Et de ce point de vue-là, on pourrait considérer que c'est un peu hypocrite aujourd'hui de pousser des cris par rapport au contingent, alors que nous-mêmes, il y a un an, on s'est dit, on crée un contingent. D'ailleurs, la clause de sauvegarde, donc cette idée, parce que ça dure une année seulement, c'est en train, ça arrive au bout hein, de cette clause de sauvegarde, cette idée de se rassurer avec une limite, elle a été introduite également il y a un an et elle a fait hurler dans l'Union européenne. On dit, mais pourquoi est-ce que, sur Genève par exemple, on n'a pas atteint la limite en question? Donc, j'apprécie votre question et je vous réponds franchement, je pense que oui, on était déjà dans une logique de contingent et ça montre que partout en Europe, on a besoin de se rassurer, mais avec des instruments qui n'opèrent pas vraiment. Donc le premier enjeu de marketing, entre guillemets, c'est de faire notre boulot de politicien, de dire la vérité, de dire, attendez, il y a des choses qu'on peut agiter comme un porte-bonheur, un gris-gris, où on dit à la population, on va vous faire croire qu'on a vraiment une prise sur la situation, mais la réalité, c'est pas ça, c'est qu'un peu comme l'eau, elle finit par s'infiltrer partout. Et donc en matière d'immigration, on le voit sur Genève, les besoins sont tels, un des risques de cette initiative, je le dis franchement, c'est aussi de développer une forme de travail au noir ou de travail illégal, parce que les besoins de l'économie seront là. Donc, pour répondre à votre question, première mission pour le monde politique, c'est admettre un certain nombre de vérités et dire qu'aujourd'hui, encore une fois, partout en Europe, ces questions se posent, mais qu'y répondre juste en disant on met des limites artificielles, ce n'est pas une réponse qui va amener beaucoup de résultats concrets. Et la deuxième chose, c'est de dire effectivement, en Suisse, nous avons des débats ouverts, démocratiques, publics, qui donnent le résultat qu'on a connu. À 20 000 voix près, c'est quand même intéressant, hein, sur 3 millions de votants,
c'est une incitation à aller voter la prochaine fois. Parce que je veux vous dire, quand j'entends des jeunes aujourd'hui qui me disent « Ah, mais c'est horrible, Erasmus, les études, etc. » Mais attendez, vous avez voté ? Non. Ah ben, peut-être commencer par là. Je caricature un peu, il y a beaucoup de jeunes qui votent aussi, mais ce message-là, on doit le faire passer aussi à l'Union européenne, pas pour donner des leçons, mais pour dire « Écoutez, dans notre pays, une façon d'organiser un peu la soupape pour la cocotte minute, bah, c'est de faire en sorte que la population vote. » Et la troisième chose, c'est de dire « Voilà, pour nous, on est dans un processus, un work in progress, on est dans une évolution constante, et donc on a ce signal qui nous est donné, on veut des limites, mais on va voir comment on peut l'adapter, on peut trouver des solutions intelligentes et créatives avec vous. » Et ça, c'est un postulat, c'est un message d'espoir, je ne suis pas certain qu'on y arrive, mais on va en tout cas tout faire pour le montrer. Et d'y travailler, de montrer qu'on cherche des solutions, en soi, ça va être une façon de répondre positivement à l'image qu'on a pu avoir ces derniers temps, l'image négative. Mais ce qui rend la politique intéressante. Bonsoir. Je m'appelle Cynthia Birkmaier, je suis genevoise de naissance et je travaille avec NIR pour MyClub. Mm-hmm. Ma question, bon, moi j'ai un passeport suisse, donc c'est une question qui se porte plus par rapport à la notion des acquis, mm-hmm, que vous avez stipulé tout à l'heure. Une personne maintenant qui vient d'arriver ici avec un permis B, par exemple, qui voudrait faire un regroupement familial. Si la famille est déjà arrivée, est-ce que ces personnes pourraient, dans 3 ans, être renvoyées si, par exemple, la situation professionnelle n'est pas au clair? Vous voyez ce que je veux dire? Si 3 ans, la personne est renvoyée, par exemple, toute la famille est déjà ici, est-ce que ces gens peuvent être... balayés comme ça, même s'ils sont déjà ici? À teneur du droit actuel, oui, et indépendamment du résultat de l'initiative. Maintenant, dans la pratique et dans la réalité statistique, c'est très rarement le cas. Mais oui, il y a des motifs de révocation de permis B, il y a des motifs, et c'est très rare, mais ils existent, de révocation de permis C. Et là, l'initiative ne change a priori pas grand-chose. Madame, juste une deuxième question. Madame parlait de rumeurs. Moi, j'ai aussi entendu toutes sortes de choses, comme quoi il y avait des contrôles plus assidus dans la rue, de permis, enfin, toutes sortes de choses comme ça, ce qui donnait une image très, du jour au lendemain, très, pas violente, des contrôles, mais beaucoup plus sévères. Est-ce que c'est des choses qui vont être mises en place d'ici 3 ans, où il va y avoir vraiment des contrôles chaque citoyen dans la rue pour voir s'ils ont le bon permis par rapport à ces quotas? Vous savez, c'est un peu paradoxal parce que j'ai aussi ma casquette de ministre de la Sécurité et depuis 2 ans, on me demande, puisque ça fait un peu moins de 2 ans que je suis en poste, de renforcer la sécurité, de renforcer la présence policière et d'incarner dans la rue la présence de l'État. Avec un certain succès, semble-t-il, on a annoncé les résultats statistiques dans le domaine de la criminalité, une baisse cumulée en 2 ans de 19% des infractions. Avec un certain succès aussi pour la prison de Chandelon qui fait l'actualité et qui est un écho direct à cette augmentation des contrôles. Donc, on a déjà, avant le 9 février, augmenté de 50% la présence policière et les contrôles dans la rue. Et tout le monde y passe. Ça va d'une personne lorsqu'on fait des contrôles dans les bus, sur les tickets de bus, jusqu'à un contrôle routier ordinaire. Maintenant, il n'y a pas de chasse active, ni aujourd'hui, ni demain, aux personnes sans papier qui n'ont rien à se reprocher au niveau pénal. Il y a eu toute une série de discussions et prochainement une élection pour le procureur général sur la question de savoir si on remplissait nos prisons de sans-papiers, entre guillemets, purs sans-papiers. Non. Non, c'est des gens qui ont un cumul d'infractions pénales. Pour vous citer un chiffre, sur le mois de février, on a environ 150 personnes qui ont rejoint la prison. Sur ces 150, il y en avait 12 qui sont allés pour motif de séjour illégal. Et sur les 12, la totalité avait une autre infraction pénale de type stupéfiant, vol, etc. Donc il n'y a pas de recherche active là-dessus. Par exemple, dans la lutte contre le travail au noir, qui dépend aussi de mon département, c'est d'abord la lutte contre les employeurs qui emploient des gens au noir, pas tellement contre les employés au noir. Et là, je crois qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Surtout que tout le système des contingents repose sur un contrôle a priori. On contrôle aux frontières. C'est ce qu'on faisait avant l'accord de libre circulation des personnes, avant 2002. C'est très lourd par rapport à l'organisation étatique pour juger si on va donner un permis ou pas, mais on juge en amont, avant que la personne arrive.
Donc a priori, précisément, on n'a pas de contrôle ensuite. Donc non, je dément ici toute légende urbaine qui dirait que depuis le 9 février, on a renforcé les contrôles. Il n'y en a pas moins, et il y en a sans doute plus, mais ce n'est pas à cause du 9 février, c'est parce qu'on fait cette pression au niveau de la sécurité. Il n'y a pas de chasse ciblée sur des personnes qui seraient en situation irrégulière. Je n'ai pas non plus des tonnes d'effectifs à mettre sur le contrôle, les permis B, C ou autre. Bonsoir, Patrick Leroy, Suisse. Merci beaucoup tout d'abord pour votre présentation. J'aimerais revenir un petit peu sur le calendrier en fait, que vous avez présenté. C'est vrai que ça va bientôt faire 2 mois en fait, que la rotation a eu lieu. Il reste, on va dire, 2 à 3 mois avant la première échéance sur Ferrov qui est le fin juin. Il faut déjà présenter un premier projet dont les négociations... Un plan horaire. Avec les négociations déjà avec l'Union européenne, les cantons, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? C'est vrai que, comme je disais, ça fait 2 mois maintenant que la votation a eu lieu. Peut-être parler un petit peu des discussions un peu plus concrètes que vous avez eues d'une part avec la Confédération, puis d'autre part avec l'Union européenne. Et puis peut-être la question qui sous-tend celle-ci, c'est... d'après vous, également un peu plus concrètement, quels sont les poids ou quels sont vraiment les points de négociation qu'un canton qui certes est profitable mais relativement petit par rapport à la Suisse, quel est son poids vis-à-vis de la Confédération, également vis-à-vis de l'Europe? Merci. Alors, lourde question. Bon, d'abord, small is powerful, donc c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas forcément agissant. Là, ce qui est important, c'est qu'on a un gouvernement uni, des partenaires sociaux à Genève, aussi bien syndicats que patronats, qui disent la même chose, que j'ai rassemblé autour de la table et qui luttent ensemble. Donc on n'a pas, contrairement à d'autres cantons, une opinion divisée. Le sentiment que j'ai, là je vous parle vraiment d'un sentiment, c'est que la Confédération, et c'est bien compréhensible, le Conseil fédéral, il est d'abord préoccupé par les relations extérieures. Donc il a commencé par le tour des chancelleries européennes, par la présence à Bruxelles, par la tentative de stabiliser les choses avec notre partenaire qui est l'Union européenne, avant de commencer vraiment le travail sur l'interne, et travailler avec les cantons. Et ça, c'est vraiment le job du Conseil fédéral. Ce n'est pas à nous, les cantons, d'aller négocier avec Bruxelles, de commencer à leur dire « faites ci ou faites ça ». Il y avait un énorme besoin d'explications. M. Bourcapter, notamment, a pris beaucoup de temps avec la chancelière Merkel, avec ses homologues français, anglais et autres, pour expliquer, pour rassurer et pour stabiliser la situation. Ensuite de ça, on a commencé, c'est récent, la première de ces rencontres a eu lieu le 13 mars, une série de tables rondes sous la houlette du ministre de l'économie, M. Schneiderman, qui a réuni les différents partenaires. Parce qu'il voyait bien que, par exemple, au niveau national, les syndicats ont très peur du dumping. C'est un des éléments qui fait qu'une partie de la population a voté pour cette initiative, mais ils sont encore moins rassurés maintenant. Et ils sont dans une logique au niveau national plutôt d'opposition au patronat qui lui se dit, puisque le peuple ne veut plus finalement veut des contingents, veut un système de contrôle a priori, jetons toutes les mesures de type mesure d'accompagnement, contrôle a posteriori, accompagnement du marché du travail et revenons au système qu'on avait avant 2002, avant l'accord de libre circulation des personnes. Et là, à l'intérieur de la politique suisse, on a des tendances très diverses. Donc le Conseil fédéral aujourd'hui, il essaye de ramener les gens autour de la table et puis de cerner les problèmes pour eux-mêmes. Et c'est une étape qui est importante, parce que si on ne parle pas des mêmes choses, si on ne rassure pas et qu'on ne circonscrit pas les problèmes, ça va partir dans tous les sens. C'est cette phase-là dans laquelle on est. Alors je peux comprendre, c'est un peu frustrant, parce qu'on se dit, mais le bleu, ça fait 2 mois que ça s'est passé, là, on devrait commencer à travailler sur les solutions. Mais quand je disais, garder son sang-froid, pas de panique, et isoler les problèmes les uns après les autres pour eux-mêmes, commencer à dire, par exemple, la question des frontaliers. Comment est-ce qu'on la traite? Est-ce qu'on arrive à la prendre à part? Est-ce que les initiants sont d'accord si on a des contingents spécifiques? Et puis on délègue aux cantons qui ont ces frontaliers. Par définition, le canton de Obwald, il a assez peu de frontaliers. Le canton de Fribourg, il a peu de frontaliers. Le canton de Genève a beaucoup de frontaliers. Et on délègue à ces cantons des solutions et on cherche finalement à créer des catégories spécifiques qui nous trouvent des solutions plutôt que de nous créer des problèmes. Donc on en est à ce stade-là. Mais c'est difficile aussi, il faut le comprendre, pour le gouvernement, qui avait d'autres visions pour l'année, qui pensait à tort que l'initiative ne passerait pas, et qui s'est trouvé, on l'a vu, un peu déstabilisé. Pour nous, le canton de Genève, et je réponds à la troisième partie de votre question, l'enjeu, c'est pas de dire, on va vous donner des leçons, puis
Nous, on a 61% de la population qui a voté contre, donc à nous les contingents et les autres, débrouillez-vous. Non, notre position consiste maintenant à faire un gros travail de pédagogie au niveau suisse pour expliquer qu'est-ce qui fait qu'à Genève, ça nous crée toute une série de problèmes. Pourquoi ces problèmes, ils existent bel et bien. Donc là, je réponds en même temps à la question de madame tout à l'heure, on doit aussi faire de la pédagogie à l'intérieur. Moi, ce que j'ai découvert à travers cette votation, c'est qu'il y avait même beaucoup de gens à Genève qui ignoraient tout du tissu économique et de la réalité de ce tissu économique. Alors moi, je suis le ministre de l'économie depuis 3 mois, donc on me promettait une activité consistant à couper des rubans, inaugurer de nouvelles entreprises. Et là, depuis le 9 février, ça se présente un petit peu différemment. Tant mieux, c'est stimulant. Mais je suis frappé de voir, y compris dans la population genevoise, que le simple chiffre que je donnais tout à l'heure, 300 000 emplois, mais 240 000 résidents actifs, donc une nécessité absolue de faire rentrer du monde chaque jour, c'est quelque chose de peu connu. Que le tissu, par exemple, des expats, qui fait tourner aussi l'économie, il est assez peu connu que l'idée du turnover, quand on explique, même à Genève, mais aussi à des cantons alémaniques, j'ai rencontré passablement de parlementaires, donc de députés fédéraux, à qui on explique que sur 2013, on aurait eu besoin, dans un système de contingents, de 37 000 contingents. Pourquoi 37 000 ? Parce qu'on a un turnover extrêmement important. Le problème du turnover, du ruling, c'est un problème qui apparaît après la votation. Et donc là, on a un gros travail de pédagogie à faire pour dire à nos collègues alémaniques notamment, dans l'idée de la limite et des contingents, ben on a bien compris, mais est-ce que vous pourriez tenir compte dans la loi d'application du besoin de renouveler rapidement. Et donc, on est dans cette phase-là, qui nécessite d'appréhender le problème, de bien l'expliquer, de le poser, de l'expliquer à nos concitoyens, qui n'aient pas le sentiment qu'on va aller contre le vote, parce que le vote, il existe, il est là, il faut en tenir compte, et d'expliquer aussi au reste du pays pourquoi est-ce que Genève, qui est un canton riche, qui contribue beaucoup, a pu l'être avec un système souple. Et si on donne peut-être un peu l'impression de perdre du temps, je vous assure que ce n'est pas du temps perdu. Et qu'on déploie, on prend vraiment beaucoup de temps pour l'expliquer. Parce que c'est ça qui va faire qu'on ouvre après les portes ou pas. Bonjour, étudiante à l'Université de Genève de nationalité biélorusse. Donc merci beaucoup pour votre intervention qui est très claire et très structurée. Moi j'ai plus une question par rapport aux relations avec l'Union européenne. Mm-hmm. À votre avis, quelle serait la stratégie après le 9 février? Est-ce que ce serait juste discuter plus en paquet bilatéral 3 avec tout le paquet avec la fiscalité institutionnelle, tous les accords qui existent? Est-ce que ce serait juste se pencher au niveau national sur l'application de l'initiative? Est-ce que ça réglerait les questions avec la Croatie? Ou est-ce que se faire. Enfin, j'ai entendu parler, il y a beaucoup de propositions de contre-référendum. Quelle serait la stratégie avec l'Union européenne? Bon, vous savez, moi je suis un modeste ministre cantonal et je n'ai pas de vision européenne. Alors il y a deux questions. C'est qu'est-ce que je souhaiterais ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je souhaiterais? Je souhaiterais idéalement qu'il y ait un paquet bilatéral 3 qui s'ouvre avec des renégociations, une ouverture du jeu, mais je ne la sens pas très réaliste. D'abord, j'observe quand même les réactions qui sont celles des pays voisins, puis je la comprends. S'il y a un partenaire qui danse le tango, puis qui au bout d'un moment donne le signal qu'il ne veut plus danser ou qui vous écrase bien les pieds, ça pose quand même la question de la nature de la relation. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir renégocier, c'est ce que dit d'ailleurs l'article constitutionnel. Pas certain que ça se fasse dans de très bonnes conditions. Maintenant, ce qui risque de se passer, osons un scénario, c'est l'adhésion. Non, mais franchement, au bout d'un moment, quand la tension sera telle et l'impasse telle aussi, la question va se poser de savoir si on continue, parce que la Suisse est un peuple souverain, la question de la souveraineté est une question essentielle dans cette initiative. Là, je rappelle que le texte dit on veut la maîtrise de l'administration de façon autonome. Hein. Au bout d'un moment, et ça fait quelques années qu'on le vit, on a des dispositions européennes qui s'appliquent parce que c'est le marché avec lequel on cohabite, sans qu'on ait notre mot à dire. Et la question de la souveraineté, elle se pose aussi en ces termes-là. Quelle est la marge de manœuvre qui reste? Je ne suis pas certain aujourd'hui que cette votation, et je le dis sans arrière-pensée politique, ne nous rapproche pas de la question de l'adhésion. Je ne dis même pas si je le souhaite ou pas, je dis simplement que ça peut être une des conséquences aujourd'hui, parce que la voie bilatérale, elle va être quand même solidement compliquée à concrétiser davantage. Donc aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas vous dire que c'est telle ou telle stratégie. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si on fait de la politique correctement, on doit envisager toutes ces stratégies, on doit tenir compte évidemment de l'avis de la population, mais on va aussi devoir se montrer très courageux
dans les semaines et les mois à venir pour dire où sont exactement les enjeux, et pas mentir à la population. Et peut-être qu'on se tournera vers la Biélorussie, donc vous savez, j'espère que depuis dans quelques jours, nous allons ouvrir une nouvelle liaison aérienne avec Minsk, parce que je suis également président de l'aéroport international de Genève. Je vous donnerai cette petite minute de publicité. Nous développons nos contacts avec les pays européens et Biélorussie est en Europe, disons hors Union européenne. Bonjour, mon nom est Aïssatou Boussoura Narda, je suis camerounaise et je suis là pour, je vais vous faire une question et demie, je dirais. Donc il y a une question qui me vient à l'esprit parce que j'ai discuté avec deux diplomates d'Afrique subsaharienne justement et qui disaient que cette histoire d'initiative, ça va nous tomber dessus par rapport aux personnes, à leurs nationaux qui vont sans doute se retrouver en situation, disons, compliquée par rapport à leur... Donc vous dites pour les extra-européens. Pour extra-européens, ouais. Oui. Et l'autre de mes questions, c'est plutôt conversion de permis B en permis C. Quel impact ça pourrait avoir après l'initiative? Merci. C'est deux vraies questions. Vous faites un prix de gros. Par contre, ma réponse sera sans doute de la réponse et demie, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir être catégorique. Alors, on a jusqu'à aujourd'hui, puis c'est encore en vigueur, je le répète, finalement deux cercles. Le cercle de ceux pour lesquels l'accord de libre circulation des personnes déploie ses effets, cercle européen, et le cercle extra-européen, et on connaît un système de contingent pour les extra-européens aujourd'hui déjà. Alors il y a un risque, il ne faut pas le nier, qu'en n'ayant plus qu'un seul cercle, mais c'est là qu'il y a une marge de discussion et de négociation, quelle catégorie, comment est-ce qu'on traite les ressortissants en fonction de leur origine, il y a un risque qu'en mettant dans le même contingent les extra-européens et les européens, ben les européens remplissent déjà le contingent, puis que ça repousse un peu les autres. C'est un risque que je juge relativement faible s'agissant de Genève, quand je regarde les chiffres, d'abord parce que c'est en raison des qualifications, des compétences, des motifs de demande de permis, on a quand même passablement d'extra-européens qui sont aujourd'hui admis. Je ne vois pas ce chiffre baisser, je ne vois pas, encore une fois, en raison des motifs des demandes, une pression supplémentaire exercée via les européens. Sur la pratique permis B, permis C, alors là, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on va traduire l'initiative qui aujourd'hui mélange tout le monde. Quand on regarde ce que dit l'initiative, on y met les requérants d'asile, une catégorie un peu particulière, les permis C internationaux, donc par exemple les conjoints des conjoints de diplomates, ce qui pose quelques problèmes par rapport à l'application du traité de Vienne et de la capacité pour des personnes, là c'est clair, hein, de la Genève internationale, qui n'entrent pas dans les contingents, parce que c'est le respect des traités internationaux sur les représentations diplomatiques, mais qui doivent pouvoir venir avec leur conjoint. Et là, on est aussi dans les limites de l'application. Donc, en tant que tel et en principe, il ne doit pas y avoir d'impact, le passage du permis B au permis C, mais ça, à mon avis, ça en aura fatalement, parce qu'il y a des effets pervers en fonction des catégories que l'on crée. Et en fonction aussi des mécanismes que ça va induire quant aux auto-limitations que l'on va générer. D'où l'importance aujourd'hui de prendre, par exemple, la situation 2013 et de dire, voilà, en 2013, il y a eu tant de permis accordés pour tel type de personnes. Si on avait été en régime de contingent, comment est-ce que ça se serait passé? Voilà l'étude qu'on est en train de faire, et le premier résultat de l'étude, je le répète, c'était de démontrer qu'il y avait un énorme besoin de fluidité. C'est le drame de cette initiative, elle parle de stock en termes d'immigration, là où la réalité, c'est qu'on est dans des flux, on est dans un monde de flux. Et là, le problème de l'initiative, c'est qu'elle revient à un système antérieur qui n'est pas compatible avec ce qu'on vit. Mais bref, et c'est cette étude fine sur 2013, transposée à 2014, aux années à venir, qui nous a montré, à ce stade, qu'on avait besoin d'un rolling plus grand. S'agissant des permis B via permis C, ça fait partie de ce qu'on va proposer pour essayer d'atténuer les effets pervers. C'est là ma demi-réponse, je suis navré de ne pas pouvoir en dire plus. Sur les conditions d'obtention du permis C, en revanche, ce n'est pas censé changer à la faveur d'initiative. Bonsoir, merci. Mon nom, c'est Claude Carvajal, je suis d'origine colombienne. Mm-hmm. Ça fait 13 ans que j'habite ici à Genève. Et puis, pour moi, ce n'est pas encore clair la différence entre comment ça venait, disons, quelle est la nouveauté de l'initiative. Parce qu'il me semble qu'il y avait déjà des quotas ou des contingents. Des contingents. Alors, est-ce que la nouveauté, c'est seulement pour les Européens ou comment ça fonctionne? Ça, c'est la première question. Une deuxième question que je profite pour faire, c'est
pourquoi la naturalisation prend tant de temps dans ce pays. Alors, sur la première question, ce qui est nouveau, mais c'est une fausse nouveauté parce que c'est un peu un retour en arrière, c'est ce qu'on connaissait avant 2002. Donc le principe est pas nouveau, le principe des contingents. Ce qui est nouveau, c'est qu'on applique une vieille recette à une situation qui a changé. Tout le monde se rend compte que l'immigration aujourd'hui, j'employais le terme de stock et de flux, c'est vraiment ça, c'est une logique de flux. Alors, il y a des flux légaux, la majorité, il y a des flux illégaux, il y a toutes sortes d'aspects, mais aujourd'hui, on est vraiment, si on a une vision de l'immigration qui est statique, c'est qu'on vit encore dans l'Albanie des années 60. J'espère qu'il n'y a pas d'Albanais parmi vous, mais je pense qu'il y a peu de gens qui contesteront cette vision-là. Donc là, on essaye de réappliquer un ancien schéma sur une catégorie de population quand même importante, puisque c'est nos voisins directs, les ressortissants de l'Union européenne, qui peuvent légitimement se sentir un peu punis, parce que c'est eux aussi, pas seulement, mais aussi qui ont fait notre prospérité ces dernières années, à qui on dit, ben voilà, on va vous limiter, mais on ne dit encore pas comment, à quelle hauteur, etc. C'est ça qu'il y a de nouveau, et c'est ça qu'il y a de déstabilisant, et c'est ça qui génère toutes ces questions, c'est ça qui génère cette soirée, et je remercie encore Locals de l'organiser. Donc voilà l'élément problématique. Et l'impression qu'on a, nous, dans la classe politique, c'est qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Mais pourquoi est-ce qu'on se recrée une limitation là où on a plutôt vu le succès de tout ça? Mais c'est aussi un enseignement, il faut faire preuve d'humilité. C'est parfois ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres pays, c'est de se dire, mais tiens, la population, elle a un ressenti négatif, encore une fois, pas anti-étranger, parce qu'elle a l'impression que c'est allé trop vite, que les infrastructures n'ont pas suivi, ou bien une partie de la population a peur du dumping, parce qu'elle a l'impression que, vu les conditions socio-économiques des pays qui nous entourent, là où jusqu'à maintenant on payait un informaticien dans une banque 10 000 francs, eh bien il va avoir potentiellement un concurrent italien qui viendra pour 5 000 francs avec le même niveau de qualification. Voilà ce qui n'est pas vérifié dans le marché du travail, je ne vois, mais voilà les peurs qu'on peut avoir. Et on ne combat pas des peurs uniquement à retardement et avec des aspects très rationnels. C'est là sans doute que le monde politique n'a pas correctement fait son travail ces dernières années. Voilà ce qu'il y a de nouveau. Et voilà ce qui nous oblige maintenant à faire tout ce travail-là. Sur votre deuxième question, la naturalisation, ça révèle la vision qu'un pays a de ses appartenances. En Suisse, et là il y a eu des votations là-dessus, il y a 10 ans encore, s'est posé la question, pas tellement du droit du sol, puisqu'un certain nombre de pays vous confèrent la nationalité si vous y êtes né, ça c'est vraiment pas, c'est pas très en vogue au niveau européen, mais ça n'est pas du tout en Suisse, mais il y a une dizaine d'années, la question s'est posée en 2004, de la naturalisation automatique, notamment pour les étrangers de la troisième génération. Et le peuple suisse, y compris à Genève, a donné un signal très fort en disant « La naturalisation, c'est une démarche volontaire. On veut qu'il y ait un effort, qu'il y ait vraiment une action qui soit faite. Et en ce sens-là, on veut que la personne fasse la démonstration de son intégration. Et un des éléments de l'intégration, c'est l'écoulement du temps. Je ne sais pas si c'est très réaliste, mais c'est été considéré comme un des arguments. Aujourd'hui, on voit à Berne que potentiellement on pourrait réduire le temps, dire c'est 8 ans, mais que pour les permis C. C'est une façon de dire en fait qu'on le prolonge parce que pour beaucoup, permis C, c'est le permis B avant et c'est d'autres conditions. Et donc la Suisse, qui est, je rappelle quand même, un pays une nation de volonté, hein, contrairement à beaucoup d'autres pays, on n'a pas de passé colonial, on ne s'est pas fondé sur une guerre, on n'a pas de régime monarchique, il faut tous les jours réinventer dans notre pays la volonté de vivre ensemble, avec 4 cultures différentes, avec des langues différentes, avec quand même, c'est un petit miracle quotidien. Eh bien, partant de là, on a considéré que la nationalité, quelque chose, la naturalisation, quelque chose de très élevé dans les valeurs qu'on a, nécessitait un peu ce parcours du combattant. On peut juger que c'est pas une bonne idée, et si c'est le cas, bah, c'est une raison de plus pour se faire naturaliser, lancer une initiative, récolter 100 000 signatures. Mais, si je vous dis ça, c'est pourquoi? Parce que je le vois, je suis responsable des naturalisations. Ceux qui défendent le plus ce système de naturalisation, c'est ceux qui viennent d'être naturalisés. C'est ceux-là qui sont en général le plus accro à garder un temps long pour la naturalisation. Aujourd'hui à Genève, vous voyez, parce que, alors d'une part, on a eu une augmentation assez importante des demandes, d'autre part, à mon avis, mais c'est ce que je suis en train de changer dans l'administration, on a une pratique quant au contrôle de l'intégration qui a un peu dérivé. Donc je pense que là, l'administration a une part de responsabilité et qu'elle pourrait voir les choses différemment. Typiquement, un des motifs de raccourcissement du temps,
c'est de demander au candidat à la naturalisation, en amont, de faire la démonstration, par exemple, à travers un test de langue ou à travers un test de connaissances, qu'il a les prérequis. Et puis ça, les gens peuvent gagner du temps dans leurs 12 premières années en se préparant là-dessus. Aujourd'hui, on considère encore trop qu'il faut déposer sa demande, puis c'est à ce moment-là que tout se déclenche. Non, moi je dis, quand on dépose sa demande, on doit être prêt, donc savoir en amont qu'est-ce qu'on a pu faire pour se préparer. C'est des éléments comme ça qui devraient permettre de raccourcir. Mais Genève n'est pas le canton, c'est le plus long. Vous voulez vraiment savoir? Moi, je prends des risques, parce qu'il y a des journalistes dans la salle, et là, je ne suis pas sûr de ma réponse, mais je sais qu'il y a des cantons qui sont en général ceux où il faut en plus d'avoir eu 12 ans de résidence en Suisse, 12 ans de résidence dans le canton, qui là, incarnent vraiment l'idée du parcours du combattant, notamment du côté de la Suisse primitive. Mais c'est des cantons où il y a moins de demandes aussi, hein. Genève, c'est plusieurs milliers de demandes par année, donc c'est aussi... C'est aussi cette réalité-là qu'il faut gérer. Bonsoir, je suis d'origine moldave, naturalisée française et résidente à Genève depuis 3 ans. Donc en fait, ma question porte surtout sur la définition des contingents. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques par rapport au secteur, à l'origine des étrangers ou au métier que vous allez définir les limites ou la limitation des étrangers? Bonne question. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien dans l'initiative là-dessus, mais ça fait partie des débats. Quelques jours après le vote, plusieurs représentants, notamment du patronat, ont exprimé l'idée, qui est à mon avis une mauvaise idée, et on n'en a plus beaucoup entendu parler, donc je pense que c'est un avis qui a été partagé, de créer des contingents par branche, par secteur économique. Le problème, c'est que dans la définition de ces contingents, alors vous allez ériger une branche contre une autre. Et en fonction de l'évolution de la situation économique, il faudra vraiment s'adapter très vite pour répondre aux besoins. Donc typiquement, par rapport à votre question, créer des contingents par branche, on pense que ce n'est pas une bonne idée, mais ça fait partie, pour répondre encore à monsieur tout à l'heure, des solutions qu'on doit évaluer et le cas échéant éliminer en toute connaissance de cause. Des contingents par origine, ce serait rétablir un peu le principe des deux cercles, par exemple, mais ce n'est pas vraiment ce que postule l'initiative, donc non. En revanche, des contingents, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction du caractère frontalier ou pas, l'idée par exemple qu'on mélange les requérants d'asile, même des contingents qui sont quand même par exemple une catégorie assez particulière au reste des contingents, elle est curieuse. Elle va à l'encontre de ce que les Suisses ont développé ces dernières années, qui est une politique spécifique de l'asile, qui porte d'ailleurs ses fruits avec plutôt une diminution, en tout cas ces derniers mois, du nombre de demandes d'asile à caractère économique qui sont ensuite refusées. Donc actuellement, c'est plutôt dans cette direction qu'on va, mais ça fait partie de cette incertitude qu'on doit gérer et anticiper, à laquelle on doit répondre, de savoir quel type de contingent. Parce qu'ensuite, il faudra dire, et c'est la deuxième question, à quelle hauteur? Et là, pendant la campagne, on a dit, oui, c'est maximum. Aujourd'hui, on connaît 80 000 arrivées par année. Rien que pour Genève, j'évoquais 37 000 tout à l'heure. Donc vous voyez le gap qui peut y avoir. Encore une fois, comment est-ce qu'on intègre le phénomène du rolling? Est-ce qu'on aurait des contingents d'un certain type qui permettent à l'économie de fonctionner? Parce que c'est clair pour nous, si on dit à des entreprises qui nous posent la question, ben, est-ce qu'on pourra en octobre engager tel ou tel spécialiste qu'on ne trouve pas sur le marché du travail genevois, et puis qu'on ne peut pas leur répondre, ça va poser un gros problème pour cette entreprise qui, au bout d'un moment, potentiellement, va dire, mais est-ce que je reste dans ce pays où je ne sais pas, 6 mois avant, si j'aurai la possibilité d'engager une personne? Et c'est là qu'on a cet enjeu qui est un peu paradoxal, parce qu'il faut régler des détails dans la loi qui nous offrent de la liberté et de la souplesse supplémentaire, mais le paradoxe, c'est qu'on doit créer des dispositions en fait bureaucratiques pour y arriver. Et c'est là que c'est un peu un exercice schizophrène. Bonjour, Aurélie Perrin, de Suisse, pour une société de relocation Parintex. Merci beaucoup pour votre exposé et pour prendre la peine de faire un exposé public, parce que certaines autorités ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui avec de réponse qu'on a. J'ai une question sur les contingents, notamment dans la mesure où les cantons auraient une certaine liberté par rapport aux contingents de frontaliers, si ces contingents se mettaient en place, est-ce qu'on peut imaginer que les contingents soient quelque part juste une formalité, c'est-à-dire ne nécessite pas que l'entreprise prouve qu'elle n'a pas pu trouver de Suisse, ce qui quelque part rendrait le fait d'avoir des contingents pour les frontaliers plutôt une formalité, ou est-ce qu'il faudra de toute façon, même pour les frontaliers, se plier à la nécessité de la préférence nationale?
Très bonne question. Alors, est-ce que... Merci d'avoir posé. Est-ce que... on peut transformer ça en simple formalité? Non, parce qu'on doit quand même respecter l'esprit de l'initiative. Et c'est là qu'il y a un caractère un peu désagréable, mais auquel on va devoir se plier. S'agissant en particulier des frontaliers, alors, là-dessus on est assez à l'aise. On a des études universitaires qui démontrent, et les chiffres que je donnais tout à l'heure viennent en appui, qu'il y a rarement des frontaliers qui prennent la place de Genevois. En tout cas, c'est un sentiment qu'on a de la peine à étayer pour toute une série de secteurs. Je vous donne un simple exemple. En Suisse, pour l'ensemble de la Suisse, on a un manque de 16 000 ingénieurs. Il faudrait aujourd'hui, pour satisfaire le marché du travail, avoir 16 000 ingénieurs. On ne forme pas assez d'ingénieurs. Alors, ça peut poser la question, ça doit la poser, de l'orientation professionnelle des jeunes, de l'incitation à embrasser ces métiers-là, de pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Mais ces 16 000 ingénieurs, on en a besoin pour faire tourner la boutique. Et donc, la réponse que je vous fais un peu de normand, c'est de dire, bon, ben, dans ce domaine des ingénieurs, peut-être que l'application des contingents sera prise comme une formalité, et que comme une formalité, cas échéant coûteuse, parce que alors, c'est beaucoup de bureaucratie. C'est un des arguments contre l'initiative, mais il n'a pas suffisamment porté. Et beaucoup de temps aussi. Beaucoup de temps et beaucoup de rigidité, parce que là aussi, si l'administration n'est pas très très réactive, je vois des entreprises qui vont baisser les bras et dire, attendez, alors s'il faut demander le permis, 4 mois, plus 6, plus certains documents. Donc là, ce sera, prenons les choses positivement, une puissante incitation pour l'administration cantonale et fédérale à revoir ses modes de faire et à se montrer extrêmement dynamique. Mais ça ne va pas pouvoir se décréter, ça va devoir être travaillé. Maintenant, pour d'autres secteurs, oui, il faudra qu'on soit dans l'esprit de l'initiative et qu'on montre effectivement. Et c'est peut-être ça que la population a voulu donner aussi comme signal, qu'on valorise aussi le marché local. Je rappelle Patrick Sutter, c'est frontalier aussi, je pose effectivement la question, vous avez parlé, si j'ai bien compris de toi, à qui pour ceux qui ont permis B et C, est-ce que ça va s'appliquer aussi à ceux qui ont permis G? Est-ce que vous pensez ce sera incertain pour eux de pouvoir renouveler leur permis? Alors j'aurais envie de vous répondre oui avec certitude, mais je ne le peux pas, ça fait partie de... Ce qui aujourd'hui, clairement, doit être discuté, a priori, oui. Enfin, je suis conscient qu'avec des réponses de ce type-là, on n'a pas forcément la réponse qu'on souhaiterait. Donc là aussi, tout le travail qu'on fait maintenant à Berne consiste à montrer quelle est la réalité de ce marché du travail genevois, du fait que des efforts importants ont été déployés pour essayer de trouver des solutions pour notamment les résidents, les chômeurs locaux. Et beaucoup d'entreprises viennent maintenant, c'est dommage qu'elles ne le fassent que maintenant, en disant, mais regardez, nous on fait l'effort chaque fois que c'est possible de travailler avec l'Office cantonal de l'emploi genevois pour d'abord voir si on a sur le marché local, parce que c'est notre premier intérêt d'avoir des gens qui habitent dans le coin. Et puis quand on ne peut pas, bah, on va chercher plus loin. Mais en principe, oui, la situation actuelle, le Ist-Zustand, comme on dit à Berne, devrait prévaloir, et c'est pour les besoins futurs que s'appliqueraient les contingents. Maintenant, comme dans le cas du permis G, on a des logiques de renouvellement un peu particulières, la vraie question c'est ça, c'est dans le cadre du renouvellement, est-ce que le fait de renouveler fait rentrer dans les nouveaux contingents les personnes qui sont dans cette situation? On va plaider pour que non, et comme dirait tout avocat, c'est plaidable. Mais voilà, il va falloir le plaider. Mais honnêtement, comme patron de l'économie genevoise, si on n'a pas la confirmation de cette situation, la boutique, elle ne tourne pas. Donc au bout d'un moment, même pour les initiants, il va falloir admettre les réalités. Vous savez, Lénine disait « les faits sont têtus ». En général, je cite rarement les communistes, mais les faits sont têtus. Et Genève, bah, c'est cette réalité, un besoin en termes d'apport extérieur. C'est ce qui fait notre prospérité. Donc moi, en tout cas, c'est là-dessus qu'on peut finir. Je vais me battre. Hein. Je pense encore une fois que la politique, en réalité aujourd'hui, il faut l'admettre, la politique, c'est rarement des certitudes et c'est beaucoup des convictions. J'espère que ce soir, j'ai pu transmettre ici un certain nombre de convictions. Vous allez avoir avec le gouvernement genevois des gens qui vont se battre dans cette direction pour confirmer ces droits acquis, pour maintenir ces possibilités, puis pour garder la souplesse de notre canton. Ça, vous avez notre engagement. Je
voudrais dire un énorme merci encore une fois d'avoir pris le temps pour venir discuter avec nous. La présentation, je trouve, est excellente, très claire, très honnête et vraiment super. Donc, encore une fois, un grand merci à M. Pierre Maudet. Grand merci.